Mais il y a également les jalousies exogènes qui naissent du fait qu'il y a une certaine tribu qui a préparé un capitaine candidat tireur de pénalty qu'on avait préparé pour prendre le Cameroun en 2018, et que ce tireur de pénalty-là avait profité d'un univers médiatique où tout lui était favorable avec toutes les chaînes de télévision qui appartenaient à la même ethnie. Mmh. Ils se rendent donc compte qu'il y a une autre ethnie qui a une télévision, malheureusement qui leur dame le pion parce que la télévision en question est la meilleure. On utilise donc quelques voyous qui sont tapis en Europe pour attaquer cette personne-là. Parce que la personne physique, la personne morale qu'on attaque n'est que le paravent. Ce qu'on attaque, c'est la personne morale. Mmh. C'est elle qu'on vise. Les gens qui utilisent nos maçons, donc au Cameroun, parfait ici. Et je voulais leur passer un message ce matin. La fin de la récréation a sonné. Monsieur Nouma, où qu'il soit, je sais qu'il regardera l'émission sur Facebook, il doit savoir qu'Interpol a été saisi. Mmh. Que ce soit pour... demain, on s'occupera, on va essayer d'en savoir plus sur un autre. Tous ceux qui écrivent sur Vision 4 qui sont en Europe, on sait où ils habitent. Là, on va, en tant qu'entreprise républicaine, on a saisi Interpol, des mandats d'arrêt seront émis contre ces personnes-là. Et on fera tout pour que les gens, on les ramène ici au Cameroun, pour qu'ils soient jugés au Cameroun. Parce que parfois, ici, quand les Julian Assange, ils ont fui parce qu'ils fuyaient la... Tous ces gens-là qui font de la cybercriminalité un métier, ils doivent s'attendre à la justice. Mais maintenant, quand on veut dire à M. Nouma que le groupe Anecdote va acheter tout son village, c'est-à-dire que c'est une... on va acheter tout le village, on ira acheter le village, on va acheter tout le village. S'il y a la tombe de quelqu'un là-bas, on va raser. Qui sache donc, quand il va revenir au Cameroun, il va prendre ceux qui viennent, qui vient s'installer chez les Mabarkona. On ne peut pas l'accueillir. On ne peut pas l'accueillir là-bas. Lui, il insulte. Quand vous insultez les gens, parfait ici, quand vous insultez les gens, il faut être en mesure d'avoir les moyens de vous défendre. Et surtout qu'il n'a aucune preuve. On met en branle contre toutes les personnes qui s'attaquent au groupe l'anecdote, les moyens, les modalités, les processus judiciaires, la justice régalienne, légale, et on met en branle les moyens financiers. Ça veut dire que même parfait ici, on se rend compte que parfait ici a attaqué le groupe l'anecdote, on va acheter ta maison. Même ta femme, si tu as doté, on rembourse la dot de ta femme. Non, c'est ça, puisque c'est l'équilibre des forces. Désormais, vous saurez que quand vous vous attaquez à nous, puisque vous dites qu'on a de l'argent, on fait ceci, mais je ne comprends pas. Les gens, quand on va signer les contrats au Congo, on nous fait le procès, oh, ce n'est pas normal qu'une télévision signe. Vous faites des commentaires, mais les 700 millions sont dans nos caisses. Donc, si on en jouit, est-ce que c'est un problème? Parfait, ici, quand on va à la République centrafricaine, on signe des contrats. Donc, il faut qu'on revienne ici au Cameroun pour dire aux gens que non, l'argent là, on a fait. Non, ils sont forts pour insulter, mais maintenant, ils ne comprennent pas que quand on voyage là, on ramène des choses parfait ici. Mmh. Et que des jalousies puériles, des jalousies infertiles et même stériles ne serviront à rien. Et je vais dire parfait ici, oui, puisque le mode, on a déjà arrêté le modus operandi. Mmh. Interpol, mandat d'arrêt international, c'est bien d'aller sur Internet et de lire les sécrétions et les élucubrations de ce monsieur-là. Mais je veux dire que ce qui concerne le groupe Anecdote, tous ceux qui ont partagé les publications de Patrice Nouma ce week-end seront poursuivis. Il faut que les gens le sachent. Si vous avez partagé, vous avez liké, c'est-à-dire que vous mettez like sur une publication où on insulte le groupe Anecdote, vous serez, à un moment où je te parle, Maître Bahia est avec des experts, ils sont en train de regarder les publications de... On va voir, non, même si quelqu'un a écrit sur son nom, Mercedes ML, non, on va chercher, on saura qui tu es à travers tes amis. Donc, on passe au peigne fin toutes les dernières publications de 48 heures de Patrice Nouma. Ceux qui ont partagé et ceux qui ont liké seront également poursuivis. Maintenant, nous allons nous résumer, puisque l'image du groupe L'Anecdote a longtemps été traînée dans la boue. Le groupe L'Anecdote a donc décidé de se défendre. Première mesure, poursuite judiciaire, Interpol est déjà saisi. Deuxième mesure, le groupe L'Anecdote s'engage à acheter tout le village de Patrice Nouma. Quand lorsqu'il reviendra... On n'achète pas le village pour laisser, on va installer une usine d'eau là-bas. Voilà. Donc même les tombes de ses papas, de ses grands-pères, il n'y aura plus rien. Je pense que ce serait bien comme ça, Ernest.